Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est Néline avec vous. Bonjour aux amis de Jésus et mon guide et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. En ce vendredi saint, nous allons méditer la passion du Seigneur. Nous allons aussi vivre les chemins de croix et nous allons vivre aussi la passion du Christ et aussi l'adoration de la Sainte Croix. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit crâne. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours, car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal. Seigneur, ouvre tous les horizons. Nous ouvre tous les horizons. Tes mains, tes pieds, Seigneur. Tes mains, tes pieds, Seigneur. Sont empreintes de nos trahisons. Sont empreintes de nos trahisons. Bien qu'il soit meurtri. Porte la trace
de nos péchés. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 52, versets 13, 53 et 12. C'est à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien.
En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité et humilié, il n'ouvre pas la bouche comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour des révoltes de son peuple. Or, on a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur, s'y remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, par lui ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. J'ai fait peur à mes amis, s'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur qui s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de l'accomplir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie, dans la chair offrit, avec un grand cri et dans des larmes, des prières et des supplications à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans ces textes, on apprend l'obéissance, on nous apprend à observer
le salut qui est donné par Dieu. On nous dit aussi, ben Seigneur, c'est à cause de nos fautes que tu as été broyé. Et avec reconnaissance, je lui fais voir mon cœur, je lui dis, tu vois Seigneur, mon cœur à moi aussi, il est déchiré. J'ai envie que tu passes du temps avec moi, que tu me donnes ton amour et que ta croix puisse briller tout au fond de mon cœur comme tu l'as déposé, cet amour que j'ai accueilli avec ta croix, avec par amour. Et aussi, ben, avec courage, je dis, ben, bon chemin de la passion, bon chemin de croix à chacun d'entre nous. Et quels que soient nos fardeaux, quels que soient nos soucis, ben, c'est le moment de le déposer. Et en disant, ben, Seigneur, toi seul, tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Emmène-nous à la porte du salut, fais-nous voir la clé qui ouvre ce paradis pour que, comme le bon larron, ben, nous aussi, on puisse trouver une place auprès de toi. Souvent, quand on dit qu'on est humilié, quand on se sent persécuté, on crie, ben, Seigneur, où es-tu? Viens à mon secours. Donc, c'est le moment de l'appeler de toutes nos forces. Et aujourd'hui, ben, c'est le moment d'embrasser cette terre, d'embrasser la croix. La terre, c'est là où il a posé ses pieds, donc c'est son socle. Ben, nous aussi, on ira l'embrasser pour dire, Seigneur, ben, je viens adorer ta croix, je viens embrasser tes pieds. Pourquoi m'as-tu abandonné? Y a-t-il plus grande douleur que la tienne, Seigneur? À l'heure où ce pourquoi prononcé de tes lèvres m'offrait corps et âme à ton Père éternel pour effacer mes fautes et racheter mon cœur. Toi, le Saint des Saints, épargné du péché, tu t'es présenté devant Dieu pour répondre de mes péchés en les confessant comme tiens et ainsi me sauver. Sublime folie cette croix, aussi lourde sentence que la douleur endurée par les injures et le fouet. Rejeté, raillé, incompris depuis ta naissance, abandonné de tous à l'heure la plus angoissante. Oserons-nous réveiller notre cœur froid et las, pour que le Dieu saint ne détourne point sa face de ce juste qui a souffert plus que tout homme, afin de racheter les injustes que nous sommes. Heureuse délivrance, cette croix bénie. Victoire éclatante du Christ souffrant qui, bafoué, dépouillé, transpercé, jusqu'à la mort obéit, afin de faire des enfers à la terre renaître la vie pour ne perdre aucun de ceux que son Père a choisis. Pourrons-nous encore rester indifférents devant cette croix, nous qui avons été dès lors marqués du sceau de Dieu, identifiés comme ses fils et frères de Jésus, notre berger et roi? Pourquoi passerons-nous sans te voir en ce lieu, puisque c'était pour moi, pour toi, pour nous, cette croix? Ben voilà, mes amis, sur ce, ben, bon Vendredi Saint et bonne fête de Pâques à tous. À bientôt. Seigneur, que déborde la misère.
Seigneur Jésus-Christ, à venir te contempler, à venir pour t'adorer, toi le Dieu qui seul me sauve. Que se déversent les flots de ta miséricorde sur ce monde qui a besoin de toi. Chaque fois que je doute ou que je ne t'écoute, je fais peser ta croix et j'alourdis tes bras. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, oh, pardon, Seigneur. Jésus-Christ a changé mon cœur de pierre, à me laisser transformer pour marcher dans ta lumière. Que se déversent les flots de ta miséricorde sur ce monde qui a besoin de toi. Chaque fois que je doute ou que je ne t'écoute, je fais peser ta croix et j'alourdis tes bras. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, oh, pardon, Seigneur. Le sang versé pour mes péchés. C'est de ton cœur, ô Seigneur, que déborde la miséricorde qui guérit. Tu m'invites, ô Jésus-Christ, par l'amour et la prière, à t'ouvrir mon cœur d'enfant dans la joie de ta présence. Chaque fois que je te...